Slumber! Raza Music. Yeah! Tu étais tout pour moi, oh oui, tu étais tout pour moi, tu étais tout pour moi, tu étais tout pour moi, oh oui, oui, tu étais tout pour moi, tu étais tout pour moi. Aujourd'hui tu m'as blessé, ce que tu m'as fait, bébé, ça m'a choqué, hey, ouais, yeah, yeah. Je préfère mon cœur reste vide parce que je ne veux plus de toi. Tu m'as appris à t'aimer, mais aujourd'hui mon cœur va t'oublier. Pourquoi me trompes-tu, pourquoi me trompes-tu, pourquoi me trompes-tu? Hey oh, ouais, hey ouais, lélé. Quelle honte, ça couche avec un pote à moi. Quelle honte, tu m'as déjà trahi. Quelle honte, tu m'as brisé le cœur. Quelle honte, baby c'est fini, toi et moi c'est fini. Fini, 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 je te dis que c'est fini. Chérie c'est fini, toi et moi c'est fini. Fini, 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 sérieux c'est fini. J'suis désolé, mon cœur te mérite plus, désolé. Fatigué, ton comportement m'a fatigué. Je t'aimais tendrement, notre amour a été plus doux, doux, doux. Je t'aimais tendrement. Ça va bébé, et toi? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça m'a plu. Je voulais te parler. J'ai un souci. Tu sais, bébé, j'ai un souci, donc... pendant la nuit, j'ai voulu te parler, mais... Non, tu me réveilles, je prends un petit déj. Oui, je te parle. J'ai un enfant dans la nuit là-bas. Pardon? J'ai dit j'ai un enfant. À la nuit, donc sa maman là, il m'a dit du temps, il faut bien chercher ton enfant. Va vivre avec vous là-bas chez ta femme là, la blonde là. Cela, j'ai dit, bon, je parle à ma femme. Si vous voulez, je prends ma petite, je ramène ici, on va vivre avec nous ici ensemble. Bah oui, bien sûr. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, rappelle-moi. Allô? Moi et vous? Oui. Ça fait 5 ans. Voilà, 5 ans. Que je ne sais pas que tu as un enfant. Il a quel âge ton fils? Mais là maintenant. 3 ans. Non mais c'est. C'était pas les rêves quoi. C'était pas les rêves. Bon, tu sais, j'avais saoulé. J'essaie de dire que j'avais saoulé. Oui, 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 si oui je me rappelle. J'avais saoulé donc. La maman là, bon. M'avait compliqué. Je sais pas comment je peux dire, mais j'étais saoulé. Mmh. Ouais, c'est pour cela. C'était pas l'erreur aussi, bon. Et après, c'est mon grossesse, ça. Bon. Je sais pas comment je peux dire, chef. Je sais pas. Et tu veux que ton fils vienne habiter chez moi? Oui. Non. J'ai dit oui. Ah non, mais c'est... Je comprends même pas comment t'arrives à me poser une question comme ça, à me proposer ça. Je suis pas au courant depuis 3 ans que t'as un enfant. Mais j'ai dit, chérie, c'est pas l'erreur. Non mais d'accord, tu m'as parlé d'elle, mais tu parles pas du bébé. Oui. Ah bébé, tu es où? Comment c'est un pote? C'est quel pote? Oh
Mais je ne comprends pas. Tu viens d'arriver, t'as déjà les potes. Ça fait à peine, je sais pas combien de jours que tu es là, t'as déjà les potes. Mais je comprends. Mais comment tu peux sortir sans me prévenir? Comment il s'appelle déjà? 3 ans. Oui, il a 3 ans. Et là, tout de suite, elle décide que il peut plus vivre avec elle, qu'il faut qu'il vive avec moi. Je voulais te parler depuis longtemps, mais comprenez mon émotion quand même. Oui. Ouais. La maman de ma fille là, Diama, donc elle parle trop. Diama, il parle trop. Viens chercher ta fille. Donc j'ai dit bon, je vais parler à ma femme, si elle accepte, je vais amener ma fille ici. C'est pour ça que je viens te parler. Donc c'est pour cela. Même pas quoi dire. Là, tu peux accepter, chérie. Oui, je peux accepter. J'accepte beaucoup de choses. Mais là, c'est beaucoup. Non, mais c'est hors de question. C'est hors de question. Je comprends pas, en fait, comment tu peux... Elle doit, oui, d'un coup, comme ça, tu prends ta fille, tu l'emmènes, mais... Je ne savais même pas que tu avais une fille. Tu te rends compte en fait de ce que je dois accepter là d'un coup qu'elle vienne vivre chez moi, parce qu'ici c'est chez moi. Je suis désolée, chérie, comprends-moi. Non, je ne te comprends pas, non. Déjà, le fait que j'ai accepté que tu sois sous un soir et machin, tu la vois encore. Tu vas voir ta fille, mais et tu veux qu'elle vienne vivre ici. Mais je. C'est oh, je. Franchement, je crois que je vais sortir. Je sais même pas quoi te dire en fait, c'est hallucinant comme truc, ça existe pas ça dans la vraie vie. Hein. Mais toi tu veux toujours vivre avec les petits chiens là, et là il y a 4 ans, je vais les chasser les chiens là. Mais chasse le chien, je m'en fiche, c'est pas un chien, c'est un bébé dont tu me parles, c'est ton enfant. Les petits chiens là vont vivre ici à la maison, toi tu voulais toujours vivre avec les petits chiens. Moi je veux que ma fille... Mais attends, le chien c'est pas mon enfant. Oui, c'est moi qui ai décidé, oui, c'est moi qui ai pris cette décision, mais ici, c'est chez nous, c'est chez moi aussi, et alors que ton enfant, c'est le tien à toi tout seul, et à cette grosse... Dis quoi, prépare la nourriture. Non, j'en veux plus, là. Oh. Putain, prends des chaînes, va descendre, les chaînes, il va faire caca dehors. Voilà le chien qui va faire pipi par dehors. Mais ma fille, tu ne voulais pas que ma fille est élevée ici. Là, tu déconnes. Ça, c'est tu déconnes. Tu commences à déconner. Boy. Parce que tu es même blanc, il y a autre chose. Tu crois que tu es blanc. Bébé, dis-moi. Demande-moi quoi. Depuis quand vous êtes pote? Depuis quand? Depuis quand vous êtes pote? Vraiment, chérie, non. Non, je m'énerve pas, mais c'est pas comme ça. Tu viens d'arriver, moi je sais que tu es à la maison. Je rentre du travail, je sais que je vais te trouver à la maison. Je viens, il n'y a personne. Tu n'as même pas fait à manger pour moi. Bon, d'accord, c'est pas grave, d'accord. Moi je viens te chercher là tout à l'heure. Ok, d'accord. Oh, c'est pas bon. Mister Kimbangu de King Maestro Kaspi DJ Meko DJ Athenas, yelele. Chérie na nga bo mwana, ya collège. Toto na ye kitoko le kabamba. Toto na ye malabu le kachao. Na go kufa bona ye. Kabibi na nga bo mwana, ya collège. Toto na ye kitoko le kabamba. Na koro na ye kitoko le kabisa. Eloyi na ye kitoko. DJ Willy, yelele. Yelele. Yage na ye. Fabi na ye. Yema. Toi tu veux quoi? Je peux plus. Tu prends ta fille, prends la petite, tu l'amènes chez toi. Quand moi je serai prête de la récupérer, je viendrai la récupérer. Mais moi j'ai déjà parlé avec
Ma femme là-bas. Mais prends-la, ramène-la alors. Oh. Si t'as déjà parlé. Mais elle voulait pas, elle voulait pas. Pourquoi elle veut pas? C'est ta fille ou c'est pas ta fille? Mais je sais que c'est ma fille. Bah alors. Je lui ai dit que non, la fille, je l'ai menti. Je lui ai dit que elle a 3 ans. Et pourquoi tu l'as menti? Parce que. Mais il faut dire la vérité. Quand elle va avoir du temps, elle va dire qu'elle a quel âge? Elle a 3 ans. Allô? Maman est stressée quand elle a la taille, ma copine. Ça va? Tu vas bien? Ah bon? Non, 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 je suis chez moi. Hein. Je regarde la télé. Ouais. Il y a les clips à César Loboko. Ça passe à chez Mamie, il est là. Ouais. César Loboko. Oui, c'est ça, je regarde. Je suis à la maison, je suis tout seul, mon mari est au travail. Tu viens? Et Kanya la taille, viens quoi? Aïe, kaka, viens. Tracy et Kanya la taille, ma copine privée de dedans, des catimini, des sous-sols. Attends, ma copine, attends. Tracy et Kanya. Attends, et Ka. Attends. Et quelqu'un est sonne à la porte. Ah, bonjour. Oui, ça va, vas-y, entre. Tracy, je te rappelle. Comment Jonathan? Non, il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là? Non. En bas? Ouais. Il n'est pas au travail, mais il vient de sortir. Il vient de sortir, je ne sais pas s'il est parti ou je ne sais pas. Bon. Je sais que peut-être il est chez son pote là-bas, en bas. Ah, ok. Ouais, il vient de sortir. Ok, c'est pas grave. Bon, moi, je peux m'asseoir alors parce que c'est chez moi. Hein. Ah, mais vas-y. C'est pas grave. Plaido, comment ça va? Oui, ça va. Tu l'as pas vu en bas? Non, j'ai vu personne en bas là. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et toi, ça va? Oui, ça va. Là, je viens de. Chez qui? Non, je viens de visiter chez mon pote là. C'est... Toi aussi, t'as beaucoup de potes, beaucoup. Ah, moi, j'en ai beaucoup normalement. Mais nous, en Afrique, c'est pas comme ça. Hein. Beaucoup comme ça, t'as beaucoup de potes. Mais ici, comme on travaille tous les jours là, tu vois ici là, ici, tous les temps, on passe ça au boulot là. Tu vois, quand tu travailles tous les jours, il est au vendredi. Le week-end, là, tu peux faire ça pour aller rendre visite aux gens. Ah, tu vois, comme j'ai mon ami là. Rodrigue Beaufort, ça. C'était au Ville Saint-Georges. Ah, d'accord. Voilà. Comme il a perdu son fils. Son fils est mort. Sa femme, elle a fait mort-né là. J'étais là. D'accord. Voilà. Donc voilà, ici c'est comme ça. Ah, d'accord. Comme je dis que non, bon, comme ici chez moi, même j'appelle pas, mais je peux passer quand même. Facilement avec le reste. On est vraiment. Moi, je n'appelle pas que on est des potes, mais j'appelle c'est la famille. Voilà. Et voilà. Sinon, ça va? Oui, ça va. Ah ouais, t'as fait ta belle là? Ah oui, c'est joli, hein? Mon Dieu, mais ça, c'est quoi? I love. Oui, I love. Je vais ajouter le nom de mon mari ici. Ah ouais, mais c'est un peu palpable. Il arrive à me toucher comme ça. Ouais. Non, j'ai regardé. Oui, mais j'ai montré à mon mari et il m'a dit que non, il n'est pas content. Mais moi je ne sais pas. Parce que... C'est Flore Kiasuka, c'est elle, ma copine, c'est elle qui m'a montré les tatouages. Voilà, il faut faire ça. C'est moi, joli. Ça m'a étonné parce que. C'est Flore Kiasuka, la femme de Koutoumi, ma Kouata. Non, je suis déjà là. Mais... Non? Non, c'est ta fille, t'as pas à mentir. Tu l'emmènes chez toi. Moi, quand je serai prêt, je viendrai la récupérer. Quand je peux pas. Non, je peux pas. Mais... Toi, tu es là-bas, tu manges, tu dors. Moi, je suis avec Victoria, je peux pas sortir. Si on m'invite là-bas, je peux pas sortir. Si je vais là-bas, je peux pas sortir. Non, aujourd'hui, vraiment, ce soir, je vais venir chez toi déposer ses affaires. Je vais te la donner parce que trop, c'est trop. Si elle veut pas, moi-même, je vais venir là-bas, je vais la donner. Si elle veut pas, moi-même, je vais venir. Non, il n'y a pas de quoi. Oui. Parce que toi tu sors comme tu veux, tu dors comme tu veux. Non, moi, non, je veux plus. Et toi tu voulais aller partout, tu voulais sortir pour aller où? Mais moi aussi j'ai mes programmes. Ah bon? J'ai mes programmes, oui. J'ai mes programmes. Mais il y a des nourrices. Moi-même, tu les déposes chez nourrice. Nourrice, il faut l'argent, non? Il faut l'argent, tu travailles, non? Toi tu travailles pas? Bon, il n'y a pas de souci, d'accord. Bah. Moi ce soir je vais venir chez toi, je vais déposer Victoria avec ses affaires. Comme elle, elle veut pas, moi-même je vais lui dire. Pourquoi chercher les amis? Non, c'est ta fille, t'es partie moi, tu là-bas, elle a 3 ans. Mais prends la fille. Non, c'est pas normal.
3 ans, au moins elle a 3 ans. C'est pas un enfant de 3 ans. Et là, c'est ça, je sais bien, là, c'est ça. Mais là, t'as menti pourquoi? T'as menti pourquoi? Parce non, moi, il faut dire moi, la vérité. Moi, j'en ai marre. Moi, j'ai fait au moins 5 ans. Alors, je ne peux pas dire que non, j'ai un enfant de 6 ans. Ben oui, c'est ça fait pour quoi? Ça que j'ai dit que. Toi, il a 3 ans. Non. C'est elle qui m'a montré le tatouage. Je me dis, non, Alice, peut-être qu'il faut faire ça, il faut faire ça. C'est joli, hein? Tu sais, ça m'étonne quoi? Tu sais pourquoi? Mm. Parce que quand je regarde ton mari là, et Jonel, mais et la façon dont je vois Jonel là, sa femme ne peut pas faire ça, hein, ah normalement. Bon? Mais oui, ça m'étonne la femme. Ah, tu le vois comme un pasteur alors? Non, parce que Jonel ne parle pas. Mm. Tu mais vois, il prie beaucoup. Jonel ne parle pas comme moi, Jonel, moi, c'est moi qui vais dire que non, moi, ma femme fait ça. Mm. Mais comme Jonel là, je vois que non, ça m'étonne. Il dit que ah, parce que Jonel a autorisé sa femme fait comme ça là. Mais il n'était pas content, hein. Mais non, mais moi je suis content. Donc mais là, c'est partout, comment, hein? C'est pas partout. Non, arrête, ah, mais... s'il te plaît. Il fait quoi là? Non, c'est joli, hein, c'est joli, ta vie. Mais oui, je Flor Kinsouka, c'est Flor Kinsouka qui m'a montré, il faut faire ça. C'est joli, hein. Ça va. Hein? Là, ça tombe bien, mais. Mais il est dehors, je sais pas. Il m'a dit que non, il est en bas. Je suis sûre qu'il est avec son pote. Ouais. Pas de souci, bon, ça tombe aussi bien. Mm. Et si. Toi, tu mesures combien, toi? Moi, 1m65. Hein. 1m65? Ouais. Ah, mais. Alice. Mais ça va quand même. Tu sais quoi? Moi, je mesure 1m75. Donc, toi, tu mesures 1m65. Mm. Tu vois la différence de 10 cm. Mm. Mais quand je vois Jonel, qui est ton mari, il mesure 1m60. Tu vois, ici en Europe, parce que moi, je suis ancien ici en Europe, l'amour, ça ne se fait pas comme ça, là. Il y a un homme qui a 1m60, et puis sa femme qui est 1m65, ça n'existe pas même chez les blancs là. Ah bon? Mais je te jure. Chez vous ici c'est comme ça? Mais je te jure. Ah alors, bon? Toi et moi, ça va vers la correspondance. Qui, toi et moi? Ben oui. Et mon mari alors? Non, moi-même je vais venir là-bas, elle va voir l'enfant, elle n'a pas 3 ans. Putain, je suis ta mère. Non, elle va juste. Ce soir tu vas aller chez papa. On va aller chercher les affaires. Pourquoi tu veux pas que je parte chez toi? Ta maman elle est fatiguée. Ah voilà. Maman elle est fatiguée, je sais bien. Écoute, faut pas encourager les mariages. Non, écoute, oui, bien sûr, elle a raison. Elle a raison. Tu sais quoi? Chez moi là-bas, ma femme elle est blonde. Il a un gros chien comme ça. Le chien là, il a pas de bois. Elle est jeune, elle est habituée avec les chiens. Écoute, elle est habituée avec les chiens. Non, elle est jeune, tu vas aller chez papa. Ce soir, on va prendre les affaires, tu vas aller chez papa. Si tu viens là-bas, le chien va te menacer. Donc, je suis maman, va avec maman, moi, je vais venir chez vous. Hein? Oui. Moi ce soir je t'appelle. Je vais venir déposer la petite. Diamant, pourquoi tu es têtu comme oui, ça? Je suis pourquoi têtu comme ça? Parce que non, je suis têtu. Oui, ce soir tu vas aller chez. Moi-même je vais venir à ta porte là-bas, je vais venir sonner. Je sonne. Pourquoi? Oui, parce que tu dois prendre la petite. J'en ai marre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je sais même plus quoi te dire, je suis fatiguée. Bon. Prends la petite. Bon. Ce soir on est là. Moi-même je vais venir sonner. Toi tu viens pas là-bas chez moi. J'ai dit que. Bon, moi je t'appelle, on va se voir. Je vais t'appeler pour prendre la petite. Appeler qui? Je vais t'appeler pour venir prendre la Victoria. Bon, ça va. Quel âge? Ben plus. On part à la poste. Les filles, on part à la poste? Mais tu es déjà venu en Europe quand même. Et après? Oh, mais il faut ouvrir les yeux. Mais mes yeux c'est déjà ouvert, tu vois pas ou mais quoi? C'est ouvert, mais tu comprends pas les choses. Mais comment ça je comprends pas les choses? Est-ce que toi vous pouvez faire un couple comme ça, même dans une fête comme ça là, ici en Europe, et toi tu dépasses ton mari là? Mais en quoi ça te dérange? Mais non, il parle pour à la, surtout à la taille. Et puis de deux, premièrement c'est la taille. De deux c'est quoi? Toi, tu es comme. Tu vois comment tu es? Je sais comment. Tu es comme une blanche. Mm. Et Jonel, c'est un black. Et toi et moi,
Tu vois comment ça va faire? Si on a fait les enfants, est-ce que tu sais comment ça va? Comment ils vont sentir les enfants là? Mais comment ils vont sentir? Mais moi avec mon mari. Mais on va faire les métisses! Mais non. C'est ça les mots qui correspondent? Moi avec mon mari, les enfants, c'est chocolat au lait. Ah, mais chocolat au lait là, ça n'existe pas ici là. Ici c'est quoi? Ici c'est quoi? C'est café au lait. C'est pas chocolat au lait. Ah, café au lait. Ah, Patrick, toi, tu viens d'arriver quand même. Chocolat au lait, t'es... Ah non, pas chocolat au lait. C'est café au lait. Café. Tu vois? Donc, toi et moi, tu sais, moi... Eh, mais arrête de me toucher, s'il te plaît. Mais non, je touche seulement les... Non. Ça, c'est les cabelles, non? Non, 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 oui, c'est les cabelles. Mais je touche comme ça, mais je n'ai pas touché le corps. Il ne faut pas me toucher comme ça. Si mon mari rentre là tout de suite, là, tu sais, oh, là, il... tu sais que mais, ça mais va non, exploser. Il va sonner quand même. Quand il va non, sonner, il va pas moi, sonner. Moi, je fais comme ça, là. Non, mais il va pas sonner. Quand il ne sonne pas, non, non, je non, suis là. Il a laissé sa clé. Ah oui, mais voilà. Donc, il va sonner. Ben oui, il va sonner. Voilà, c'est une bonne idée. Donc, Alice, moi je suis venu ici, c'est, tu vois Dieu. Non, moi je ne veux pas que tu me touches. Dieu fait tantôt plus tôt. Donc Dieu, il savait que non, moi je veux atterrir ici, que non, ton mari, je ne suis pas là à la maison. Maintenant, moi je suis là. Alice, regarde-moi un peu là. Tu as dit, oh wow. Mais mon mari, ça, il a beaucoup dépensé, il a beaucoup dépensé pour que moi je vienne ici à Nairobi. C'est comme ça. C'est comme ça, ici. Même calibre 12, ma petite soeur, elle sait, hein, ma mais, calibre 12, mon flex. Mais oui, même calibre 12 là, c'est ta petite soeur, non? Oui. Mais oui, si elle sait que non, moi et toi, on est sorti avec toi là, elle va dire que non, ouais. C'est comme si, tu vois comme le dessin animé là, quand on disait, you can, Wendo. Ah, voilà. Tu fais rire, toi. Mais, moi, je suis comme ça. Parce que... Allô? Ouais. Ouais, ça va et toi? Écoute, je t'appelle parce que je... T'as vu Gianni? Non, parce que, bah, écoute, il a pas dormi à la maison hier. Que je suis passée dans le bar, tu sais, là où il va absolument tout le temps. Où il boit tout le temps. Et que j'ai absolument aucune nouvelle. Je sais pas où il est, donc je voulais savoir si... Ouais. Non, vraiment, là, je sature. Ton mari n'a pas l'amour pour toi. Non, mon mari, il m'aime. Ah bon? Je sais. Si, il m'aimait pas. Comment il... Oui, avec sa taille, là? Avec sa taille. Mais comment ça, sa taille? Non, c'est mon mari, arrête de rigoler. Tu sais, moi, je t'aime beaucoup, Alice. Qui, moi? Mais toujours, quand j'étais venu ici, là, j'étais pas là. J'étais regardé, là, comment tu me sers. J'avais dit à mon moment, à ton mari là, il dit que non, ah, tu as choisi. J'ai dit ça, mais à l'intérieur là, il dit oh, t'es mort. Oh, c'est... Non, oui, arrête. Ah, arrête comme ça. Tu fais quoi là? Non, arrête. Arrête quoi là? Et si mon mari est dans. Non, c'est pas bon. Bon, attends. Tu as peur de ton mari? Mais on fait comment? On fait comme ça. Moi, je vais t'inviter. Où? Oui, pour aller manger les tabanas chez. C'est Simone Plaza. À Moselle Sec. À Moselle Sec? Oui. Voilà. Tu sais quoi, moi, je veux te faire déplacer de la France. Pour aller où? Ah, mais attends. Je vais t'inviter chez ma grande sœur. Qui? Ah, c'est Hortense Mouilou en Suisse, précisément à Neuchâtel. Mais c'est loin. Elle va... mais non, mais tu ne connais pas la personne. Tu vas voir comment elle va nous accueillir en Suisse, là, précisément à Neuchâtel. Là-bas, on fait du bon tabac, là. Comme vous parlez à Lingala, des bons tabacs. Maintenant, les tabacs, c'est quoi? C'est les moutons. Mais comme nous comme l'habitude, nous ne pas aller, c'est là-bas les tabacs. On va aller là-bas, tu veux? Mais là-bas, c'est loin. Là-bas, c'est loin? Pourquoi pas on va aller chez Mimi Tikeva, au terrain là-bas, Mimi Tikeva. Maman présidente des Fali Poupa. Ah, voilà, il n'y a pas de souci. Mimi Tikeva, c'est ma sœur aussi. On peut aller là-bas, mais pour aujourd'hui, là, ou soit pour, on va faire même rendez-vous là. On va aller là chez Simon Ngando. Ah, d'accord. Simon Ngando aussi, à nos élèves. C'est quoi les tabacs? Lui, il fait les tabacs. Tu sais les tabacs, les tonneaux là. Les tonneaux. Lui, il fait les tabacs, il fait les poissons, il fait tout. Ah, d'accord. Voilà.
Et puis il fait les services traitaires. Simungano. Précisément à nos îles sept. Même si oh, les blés s'est marié. Lui il fait tout là. Je vais t'inviter là. C'est une surprise pour toi que ton mari n'a jamais fait pour toi de porter ainsi à la robe. Il faut ouvrir les yeux. Ça c'est le moment. Mais on va aller quand alors? On fixe le rendez-vous. Parce que pour le moment, on va aller. Parce que. Mais assis, toi, tu vas tomber. Pourquoi tu paniques comme ça? Je panique parce que bientôt, quand ils sont là. Après, je vais aller ouvrir. Il ne va pas rentrer comme ça. Il n'a pas la clé. C'est là, ça m'appelait là. Il va commencer à dire n'importe quoi. Donc, on fixe un rendez-vous. C'est mon gang. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait hier soir. Bob. Il prévient même pas, il dort pas à la maison, il découche et c'est pas la première fois, tu sais, donc mais ça sert à rien de parler avec lui. Ouais, bah je vais voir, mais là ça commence vraiment à me taper sur le système. Vraiment. Parce que tu trouves ça normal, toi, t'accepterais ça? Ouais. Bon, on est d'accord, du coup. Ok, bah bisous. Ouais, salut. Ben, on va aller chez Mimi Tikeva, il faut aller là-bas. Mimi Tikeva, il fait bien les poissons, les tabacs, tout ça, les moutons, il fait ça bien. Je sais, Mimi Tikeva. Moi, je sais. Moi, je suis ancien de Paris. Je sais. On va aller là-bas, mais c'est à la prochaine occasion. D'accord? Mais on va poser l'occasion, mais c'est quand? Il faut faire. Attends, on va... Mais non, aujourd'hui, on va aller là-bas, c'est Simon Gandou. On mange les tabacs là-bas. Toi et moi, on est ensemble. Comme les chansons là. Comment dire la chanson? Toi et moi, on est ensemble. Ton mari ne fait pas ça. Non, lui, il ne fait pas ça. Voilà. Je suis humoriste chez toi là. Moi, je vais te montrer comment l'amour. D'accord? Voilà. Et non, là, non, il ne faut pas faire ça, non. Non, même non, Tracy, quand elle a la taille comme ça, vraiment, elle va pas être consciente. Hein. Non, parce que je suis mariée. Faut pas faire ça. Non, il y a mon mec, tout ça, il est en bas. Faut pas faire ça. Comment ça, on est déjà ensemble? On est ensemble? Non. Tu es belle comme moi, toi. Même si je suis. Non, arrête comme ça. Tu me donnes envie, hein? Envie de quoi? J'ai envie de mayonnaise. Je ne te fais pas. Donc, alors, tu m'appelles alors? Je t'appelle. Et tu... Des rendez-vous là, tu sais non? Oui, je sais. Hey. Mais là, tu fais quoi là? J'ai pas envie de partir. Là, tu fais quoi? J'ai pas envie de partir. Mais comment ça, tu as envie de partir? Moi, je... Et toi, pour moi... Oui, je suis fragile. Et comment ça, tu es fragile? Oui, franchement. Et vas-y, pas. S'il vient comme ça, je lui dis qu'il était passé ici. Mister Kimbangu de King, Maestro, Kaspi, DJ Meko, Kadibi, DJ Athenas, Yelele. Chéri n'a pas bon moana, ya collège. Toto na ye kitoko le kabamba. Toto na ye malabo le kachamba. Na gokouba bon na ye. Kabibi n'a pas bon moana, ya collège. Toto na ye kitoko le kabamba. Makolo na ye kitoko le kabis. Eloi na ye kitoko. DJ Willy. Yelele, yelele. Yaga yaga yake na ye. Ololo. Fabi na ye kimisi ye. Malobi na zanga mosoro. Yelele. Lelo kame ya pamboli. Avec ses ralentissements, yeah yeah, la ligne n'a pas la cacaille, le nom de la meilleure famille, Mao, DJ Stone, avec ses ralentissements, yeah yeah.
responsabilité d'être capable. Moi j'habite, tu vois la maison là, l'immeuble est jaune là. Moi j'habite là, c'est moi qui contrôle. Tu te vois comme si c'est la première fois dans le quartier. Dans quel sens c'est toi qui contrôle le quartier? Toi tu sais pas, les gens qui contrôlent, c'est moi qui contrôle les quartiers. Je trouve qu'il parle de chaud, moi je pars dans cette direction. Ah je vais t'accompagner. Ok, il n'y a pas de problème. Tu t'appelles comment? Ah, Ketia, ouais, ouais. Moi, c'est Jennifer et Franco. D'accord. Donc, c'est moi qui contrôle les quartiers. Tous les quartiers. Ah ouais? Ouais. Mais, tu es belle, hein? Tu trouves? Merci, c'est gentil. Ah ouais. Je sais pas si je peux faire l'échange des numéros de téléphone. Ça ne te dérange pas? Non, moi, ça ne me dérange pas, mais. Je sais pas si c'est tellement comment c'est, tu sais pas dans quel sens, tu sais pas pour quoi c'est, garder de l'univers. Bon, juste ses connaissances, tu fais les connaissances. Ah maman, ça va? Ah, ça va moi, Nangaï, ça va ma fille. Il fait chaud ici, hein. Il fait chaud? Mais moi je trouve normal, hein. Ah bon, il fait ouais. Chaud. Moi je vois normal, il fait pas chaud. Ah bon? Ouais, et bon. Maman, tu mets le sexy, toi. Toi aussi. Maman. Maman, vos kilos. Ah ben oui, hein, maman. Comment ça va, alors? Ouais, ça va. Quoi de neuf? Ouais, ça va, mon mari aussi, il va bien. Ah, d'accord. Ton fils, quoi. Ah oui, je sais que c'est mon fils. Ah, mais bois, maman, bois. Ah oui, ça fait un peu lourd à la maison, t'avais raison. Hein. Ça fait un peu lourd. Ah. Mais pourtant, dehors, ça fait un peu du bien. Bon, il y a du soleil, mais ça fait un peu du bien. C'est bien dehors. Là, maintenant, je suis venue en Europe. Hein. Je t'ai vu, maman, t'es toujours sexy. maman. Ça va? Oui, ça va. Ça fait content? Oui. Je suis contente. Avec ton mariage, oui. Donc ça va. Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis vraiment contente. Avec Jonathan? Oui, je suis contente. Ah. Ok, c'est ça, voilà. Il y a aussi ma copine, elle est contente pour moi, être fait gagner la taille. Ouais, ma copine, elle est vraiment contente pour moi. Elle a dit, ouais, Alice, vraiment, comme vraiment elle était mariée maintenant, je suis contente. Ah, donc, oui. Voilà, Tressé. Mais lui, il arrive à quelle heure? Il finit à 19h. 19h, donc il est temps qu'il arrive à la maison, donc 20h, 20h30, 20h20, des trucs comme ça. T'as pas éduqué là-bas? Non, j'ai pas éduqué, pourquoi? Non, moi j'ai fait des cigares. Ah, en plus de ça, ouais. C'est pas très... Ah, tu fais pas les belles vitrées? Non, je trouve que c'est pas trop attirant, quoi. Ah d'accord, c'est pas grave. Ouais. À part ça? Non, ça va. Okay. Ouais. Je note le tien et puis une fois arrivé à la maison, je t'enverrai. D'accord. Ouais, y a pas de soucis, aucun. Sandra? Non, Ketia Mouchimla. Ah, Ketia Mouchimla. Ah ouais, Ketia, donc, tu sais que tu es très jolie, hein. Très, très jolie. Merci. Très belle aussi. Ah ouais? Ah ouais. On me le dit souvent. Tu es mariée ou tu habites chez vous? Non, pas encore, je suis pas encore mariée. Ah, ok. Moi, et toi? Non, moi je suis pas marié. Je dis tout le temps ça et puis après. Non, je suis pas marié. Je suis seul, donc homme seul comme on dit. Homme seul, je suis comme c'est ça. Rare. Ah oui. Homme seul avec beaucoup de à droite, gauche. Non. Moi je suis pas comme ça. Je suis seul. J'habite chez moi. Seul, donc je suis homme seul. Même à la CAF, je sais que non. À la CAF? Ah oui. Tu fais des enfants?
avant, j'ai un enfant, mais la vie de sa mère là-bas. Sa maman, il s'appelle Diamant, mais on a déjà séparé. Elle habite dans le coin ici? Non, pas ici. Elle habite à Mont. Ok. À Mont. Tu vois souvent? Non, non, non. Ça fait 6 ans. On est déjà séparé. Non, bon, chez moi, tu seras pas d'ici. Hein. Oh. Ouais, tu as trouvé un mec, hein, un bon mec. Ah oui, je te le dis. Comment est-ce que toi, déjà, tu peux être sûr de moi? Là, maintenant, je vais aller préparer. Il faut que je fasse des trucs. Tu vas manger quoi? Oui, maman, tu vas faire ce que tu peux faire. Ah. Moi, je ne choisis pas, mais je suis... je préfère beaucoup européenne. Hein. Ah bon? Parce que tu sais que ça fait longtemps, moi j'ai laissé l'Afrique. Ah. Donc bon. Dans les frites, alors, avec les steaks? Tout ce que tu vas préparer, je vais manger. Ah, d'accord. Ne te dérange pas. Mais Jonel m'avait dit que toi tu prends pas l'alcool. Mais moi je vois là, c'est du whisky. Non, 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 non. Moi je touche pas l'alcool, hein, maman. Ah bon? Ouais, ça c'est du jus. C'est du jus de fruits là. Ah bon. Des pommes, voilà. Ah, c'est voilà. Du jus de pomme. Ouais. Ah. C'est pas du whisky. Moi, okay. Je touche pas l'alcool. Et j'aime pas. Ah, d'accord. Moi, ouais. Ça, c'est vous, c'est l'alcool. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, maman. Moi, je touche pas l'alcool. Là. Et j'aime pas. Quand tu bois ça, après, tu vas faire des bêtises. Ah bon? Voilà. T'es sûre? Oui, je suis mariée, donc mon mari, c'est lui. Mais ce n'est pas l'alcool qui va te commander. C'est toi qui vas commander l'alcool, pas l'alcool. Ah. On boit l'alcool, on fait n'importe quoi. Non, non, non. Déjà, je ne sais pas que rien sur toi, je ne peux pas me permettre, mais voilà. Mais je t'avais dit que je suis célibataire, je suis comme ça. Oui, mais entre ce que tu dis et peut-être ce que je vais être amenée à découvrir, il y aura sûrement une différence. Allô, Maxime? Ouais, j'arrive. J'arrive, ok, j'arrive. Bon, bah, est-ce que je dois t'occuper, t'as un rendez-vous? Non, bon, un ami, bon, il habite chez moi. Ah, ok. Ouais, il demande la clé, c'est pour ça que je lui dis que... Ah, tu fais aussi de la sous-location, ouais. C'est ça? Colocation, plutôt. Non, pas colocation, bon, il habite chez moi. Ah, c'est un ami, bon, elle venait des bleds, quoi. Ok, tu héberges les gens, mais il faut faire attention, hein. Pourquoi? Je sais pas. Je connais pas les gens. Moi, je suis connu à la mairie. Quand tu vas à la mairie, là, tu demandes un chef, c'est moi. C'est que c'est grave. Mais oui, moi, si tu vas là-bas, à la mairie, là, tu demandes, monsieur le maire, c'est mon ami. Ah, ah oui, tu vois quoi? Et je peux pas demander à monsieur le maire de donner une maison à ton ami, toi, faut que tu perds les gens. Souvent, les gens qui se trompent, que s'il prend l'alcool. Et donc, ça le pousse à faire des bêtises ou ne parler n'importe quoi. Ok, ce n'est pas ça. C'est toi la personne qui va commander l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui va te commander à pousser à faire des bêtises. Non, maman, de toute façon, moi, je n'aime pas. Mais t'inquiète. Bon, moi, je ne juge pas. Hein. Si tu bois l'alcool, tu es libre. Tu es chez toi. Ah, puis j'ai pris aussi. Hein. Voilà. J'ai pris, ouais. Ok. Je n'aime pas, maman. Maman, bois quoi? Bois, bois. Oh, maman. Ah, tu sais que moi je ne prends pas vraiment beaucoup de... Du coca? Ah, aussi tout du coca. Ah, je ne prends pas. Donc je prends seulement pour te faire un plaisir, mais sinon, tu sais, moi j'ai un problème de sucre. Mon docteur m'avait dit de faire attention avec du sucre, c'est ça. Donc j'ai fait attention. Voilà, bon, je prends seulement. Bon, ok. Donc bon, je vais aller faire les frites et les steaks. Maman, ne te dérange pas.
fais ce que tu peux faire. Maman Bokilo. Maman Bokilo, moi bon, je vais aller préparer. Je veux pas que quand ton fils il va venir ici, ta femme, ma chérie. Non. Maman, mais c'est moi qui t'as choisi, non? Ah, voilà. Moi aussi, je suis très contente. Maman, je vais aller préparer. Ma belle fille, elle est trop gentille. Hein. Vraiment, c'est bien ça. Oh, ça marche. Jonelle, cette fois-ci, vraiment, elle a trouvé une bonne femme. Là, je suis très content. Allô? Oui? C'est qui? Ah, c'est Kinal? Oui. T'es où? Ah, t'es où? À Château Rouge. Ah, donc t'es à Château Rouge. D'accord. Moi, je viens tout de suite. Hein? Je viens tout de suite. Ah, je suis avec... Hein? Allô? Oh, toi aussi, parle doucement. Tu cries comme ça, pourquoi? Oh, t'es là. Tu crois que ça va hein? Moi, je viens d'arriver. Hein? C'est quoi ça? Donc, j'ai dit, attends, je suis avec belle-mère. Je suis avec belle-mère. Oui, je suis avec belle-mère. J'arrive tout de suite, j'arrive. Mamoukilo. Belle-mère. Elle va préparer tout seul. Moi, je vais partir parce qu'il faut que je bois. Je vais aller boire. Maman. Attends. Maman, j'arrive là. Attends. Bon, maman, il y a mon pote qui m'a appelé là. Donc là, maintenant, là, je vais aller tout de suite, je vais aller voir mon pote. J'arrive. Donc, si tu veux, tu vas à la cuisine là-bas, tu prends le steak et le frites, tu prépares. Donc là, quand je viens comme ça, on va parler. Mais de toutes les façons, maman, je rentre avant 20h. Donc, j'arrive vraiment. C'est vraiment urgent, maman. J'ai F3. Et t'habites là-bas seule avec ton ami? Je suis seule. Tu vas découvrir. Tu vas voir. Si j'ai dit la vérité ou je mens. Ouais, ça finira forcément par savoir. Sinon, j'ai peur de passer ce petit moment avec toi. Et puis, moi, je suis pressé, il faut que je rentre. Je suis pas à l'écouter. Tu étais venu en voyage? Non, pas spécialement. J'avais des affaires à récupérer. Là, je rentre. Après, j'ai une autre course à refaire. Il faut que je me dépêche. On s'appelle ça. Tu t'appelles comment déjà? Je pense même pas que j'ai enregistré le numéro. J'ai dit Janifaï. Janifaï. Franco, à la fin Franco. Mais tu peux mettre même chef du territoire. Vous comprenez? Tu commences à me faire peur avec ton histoire de chef du territoire. Hein. Non, non. Chef du quartier, mais c'est le maire m'a donné des confiances. Parce qu'elle sait. Ah, ouais. Tous les Congolais qui viennent ici, dans notre ville, là, c'est moi qui fais. C'est pas quand t'as vu la tête d'une inconnue directement sur le monde. Non, ça c'est la première fois que j'ai vu. Ah ben ça veut dire alors que t'as l'habitude avec toutes les Congolaises ici, tu commences par taguer. Non, c'est pas... Non, l'eau elle est là. J'ai la chance, j'ai la chance de trouver une femme concrète de diamant. La concrète de diamant. Donc là, attends, je vais mettre devant mes casquettes, je vais prendre mes casquettes là. Vite fait. Attends. Mère, maman, j'arrive, hein. Je vais aller voir mon pote, j'arrive. Hey, maman, prépare-toi, tu manges. Comme ça, quand je viens, je rentre avant 20h. Donc j'arrive au moment, s'il te plaît. Attends, moi j'arrive au moment.
pitié. La femme que je viens de féliciter là, à peine même là, c'est ça qu'elle me fait des cinémas. Elle va voir son pote. Quel pote elle va voir? Moi, je suis là, je suis la belle-mère. Je fais, j'attends qu'elle me porte à manger. Elle est partie, elle me dit que je rentre dans la cuisine faire à manger toute seule. Et elle est partie. Fait, hein? Et une femme qui peut se comporter comme ça devant sa belle-mère, hein? Qu'elle me dise d'aller préparer. En plus, elle me dise que, et voilà, mère, elle met sa casquette, mère, maman. C'est quel genre de femmes qui sont mal polies, qui ne savent pas respecter de belles mamans, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où? Hein? J'arrive pas. Oh, nous les mamans, on est toujours, on rentre dans l'air, dans l'air relation. Avec des choses comme ça, moi je dois accepter. Comme ils sont là, ils vont rester comme ça. De toute façon, on n'a pas encore fait les mariages. On n'a pas encore payé les dots. Donc moi, c'est fini. Avec les comportements comme ça, non. De toute façon, je ne vais plus m'attendre là. Je vais partir. Aller manger quand même au restaurant parce que là, j'ai faim. Et l'estomac, vraiment, ça me fait très mal. Il faut que je mange. Hein? Je sors. Et je vais lui dire, parce que quand même si je parle à Jonelle, elle ne va pas m'écouter. Elle va écouter seulement que sa bonne femme là. Voilà, c'est ça que nos enfants aujourd'hui, qui ne résistent pas, qui ne voulaient pas écouter ce que leur maman qui parle. Il faut écouter d'abord les conseils. Je vais voir. Ah, je prends mon sac. Ça m'énerve de regarder des choses bizarres.